Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais proposé une vidéo sur un mini-jeu plutôt cool, qui s'appelait Replica et ça vous a beaucoup plu et j'étais assez content que ça vous plaise parce que ça va me permettre, vu que vous aimez ça et que j'adore ça, de vous montrer les petites maps que je trouve, les petites maps assez sympas, assez fun, même pour des vidéos pas super longues. Et là, alors j'ai pas fait de partie complète, j'ai juste testé, vérifié que tout marchait bien, mais je suis tombé sur un jeu assez dingue. Donc je vais y aller direct, ça s'appelle Diamond Defender. Voilà, on a nos diamants qui arrivent, on ne les ramasse pas. Et vous voyez, à chaque fois, on a des creepers qui vont arriver. Et ces creepers, hop là, ces creepers, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Eh bien, ils vont nous faire péter. Quand ils vont péter, on ne va pas perdre de vie. On va subir les dégâts d'explosion, pardon, je ne vais pas dire de bêtises. On va subir les dégâts d'explosion, mais on ne perd pas de vie. Et par contre, les diamants, eux, ne dépopent pas, mais vont juste être déplacés. Ils vont être déplacés un peu à gauche, un peu à droite, n'importe où quoi, enfin ils vont bouger, et le but c'est de les garder sur notre petite plateforme. Encore une fois, comme la dernière fois avec Replica, je trouve le concept juste badass, et le but est de subvenir à nos besoins, hein, de survivre pendant 10 minutes, enfin de survivre, de garder plutôt, de protéger, hein, de défendre, comme le dit le nom de la map, nos diamants pendant 10 minutes. Il y a un timer que je vais vous montrer dans le moins de temps possible. Il est où ce con? Le timer n'a pas load. Ah voilà, ok, on était trop loin, voilà. Mais il était à, voilà, ça fait une minute. Il y a 10 vagues, hein, une minute par vague à peu près. Speed and rate and spawn rate increased. Donc hein, ils sont plus rapides et ils spawnent plus souvent. Ok, donc il faut rester calme, il faut rester sage, et le but, enfin la stratégie, ça va être de rester le plus souvent au milieu de la plateforme. Si j'ai bien compris, mais j'ai fait exprès de pas me renseigner, les creepers vont être différents au fur et à mesure de la partie, et on va avoir des nouveaux creepers modifiés. Oups, ça explose. Des nouveaux creepers modifiés. Mais pourquoi j'ai fait exprès de pas me renseigner? Tout simplement parce qu'à la fin, je vais défier deux youtubeurs qui sont pas du tout au courant. Hein. On verra, libre à eux d'accepter ou de refuser ce défi, et je vais vous défier un peu tous vous, hein, à me dire quel score vous aurez fait, parce que le but à la fin c'est évidemment qu'il reste le plus de diamants possible. Il y a un petit scoring, je suppose, qui va être affiché pour savoir combien il nous en reste. En tout cas voilà, on en reparlera après de qui je défie, c'est pas important pour l'instant. Attention, certains creepers ont amené leurs amis. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hop là. Ok, tant que ça tire pas, je m'en fous. Si ça se met à tirer, je m'en foutrais un petit peu moins. Il y a une flèche. Je vous jure qu'il y a eu une flèche. Hop. Hop. Non, je suis peut-être fou en fait. Non, il y a des flèches. Eh merde, on a... You lost a gem. Non, je veux pas en perdre plein. Eh Macarena, oh, d'où tu perds des diamants comme ça? C'est super dur avec des Masta Creepers qui essayent de te défoncer. Enfin, des Masta Creepers, des Creepers de l'enfer, là. Non, diamant. Oh, Diamond Safe. Ok, il n'y a plus personne, 7 minutes. 5% de speed, ok. On devrait être plus rapide, hein, c'est le concept de 5% de speed. Hop là. Vas-y, casse-toi, toi. On va essayer d'être très optimisé, très propre, très clean. Parce que je pense que si on reste au milieu de la plateforme, on va pas avoir trop de soucis. De temps en temps, on va se la jouer un peu bonhomme et on va se déplacer, mais pas trop souvent quand même. Ok, casse-toi. Hop là. Casse-toi. Et merde, on a perdu un diamant. Bon, c'est que un. Il y en a 225, si je dis pas de bêtises. Et ça fait pas mal. Mais je pense que... Enfin, j'aurais un peu honte si je faisais un score... Bon, quoi que... J'allais dire, j'aurais un peu honte si je faisais un score inférieur à 100. Mais je pense pas que la map soit si facile. Enfin, là, je peux vous assurer que c'est pas facile. Ça vaut le coup d'être vécu, les amis. Mais je pense pas que la map reste aussi gentille pendant tout le long. Mais là, il m'en reste bien plus de 100. Limite, j'en ai pas perdu 25. Limite. Undercreepers... What? Je suis pas d'accord. Oh putain de merde! La musica, c'est ce qu'il me fait vivre. Qu'est-ce que je raconte? Non, la panique. Ok.
Hop. Hop. Ouh. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ce qui est assez ouf, c'est que vous pouvez vous lancer la map en même temps que moi. Merde. Je suis trop près des bords. Lancez la map en même temps que moi et vous serez synchronisé sur le timer, quoi. Il se passera la même chose chez vous et chez moi à peu près, évidemment. C'est scripté du genre les vagues. Attendez, creeper fuse decrease, explosion decrease. Ok. Les vagues doivent être scriptées. On a tout le temps les mêmes vagues. Mais après, c'est à vous de gérer mieux que moi si possible. Hein. Le mec est déjà prétentieux alors qu'il va faire un score de merde. Hop. Hop. Alors, ces petits creepers là, je sais pas si c'est volontaire. Les creepers. Comme ça, merde. Les creepers plantés au sol un peu de manière maladroite. Mais je pense que oui. Je pense que oui parce que ça rajoute de la difficulté. Moi je les trouve très chiants ceux-là parce qu'on doit se baisser. On n'est pas toujours à la même hauteur pour taper. Et ça leur donne une petite particularité. Ok, on est encore chaud. On a encore pas mal de diamants. C'est impossible de les quantifier. Hop. Hop, hop. Ok, il y en a pas qui est tombé. Le but c'est quand même de pas les décaler parce que dès que les vagues vont devenir vraiment sales, il reste 4 vagues si je dis pas de bêtises, si c'est une par minute en tout cas. Donc dès que les vagues vont devenir vraiment sales, let's upgrade the stick. Et il a quoi de différent? Ok, on sait pas. Running bouncy creeper. Oula, ça va être des creepers sur slim je suppose, voilà. Alors, attendez, hop là. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut sauter. C'est très bien de sauter. Et merde, on a perdu un diamant. C'est très bien de sauter dans certaines situations, genre celle-ci. Hop là. On se casse et on a stocké les bâtards dans un endroit. Oh putain. Ils sont badass. Quand ils éclatent, ça les répartit un peu partout. Oula, on perd du diams, on perd du diams. Pop, 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 pop. Oui, cette blague était mauvaise si vous l'avez pas compris. C'est mieux pour moi. Ouh. On a perdu du diamant, mais on est encore correct. Putain, mais. Creeper fuse. Ok, donc ça, on les a déjà eu tout à l'heure. C'est la même vague. Hein. Ils mettent plus de temps à éclater. Ils me paraissent plus rapides. Oui, ils sont plus rapides. Je suis sûr de moi. J'ai l'impression d'avoir re-ralenti. J'ai plus mes bottes ou quoi? J'ai eu une double explosion, ce qui fait que ça les a pas trop éloignés mes diamants. Enfin, quoique, ils sont plus au milieu quoi, mais. Boum. Eh, y en a beaucoup trop. Ok, par. Il y en a plus. Il y en a plus. Ah, je suis libre. Allez, il nous reste plus que deux vagues. Boss, 15% de vitesse, ça c'est bon. Warning, double creeper, c'est quoi ce délire? Ça m'a l'air normal ça. What? Pourquoi il y a des doubles creepers qui se superposent? Cassez-vous. Je me disais, là je suis chaud, il n'y en a pas qui explose. Je crois qu'on n'a pas perdu de diamant encore sur cette vague, mais c'est assez compliqué, hein, je vous le cache pas. Hop là, je crois qu'on va en perdre là bientôt. Ok, il a explosé dans le vide. On l'a fait assez vite cette vague, hein. On avait genre 13 secondes d'avance. Dernière vague, putain, il faut rien perdre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Running last one. Ok. Enfin, je crois avoir compris, il va y avoir des creepers un peu bizarres. Ah non, ça c'est normal. Ça c'est encore normal. Ok, j'ai compris. C'est eux qu'il faut éclater avant. Merde. Avant que eux nous éclatent. Ok, on a perdu un diams. Là-bas, il y a une bombe.
Gros connard. Là j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup beaucoup de diamants. Hop. Hop là. Ih, là c'est la grande défaite de diamants. Hop. On en a pas perdu beaucoup, on en a pas perdu beaucoup. Il y en a toujours plein là-bas. Oui. Oh, ça y est, on a terminé les amis, il faut ramasser les diamants. Je pense pas qu'il y ait de... Oui, il n'y a pas de timer pour les diamants. On voit notre compteur à diamants monter. Alors je sais pas ce qui se passe après. Oula, je sais pas si on va les dépasser. Enfin, si on va atteindre les 100 parce que... On va accélérer parce que j'ai peur quand même qu'il y ait un compteur. Hop. Oui, si c'est bon, on a dépassé les 100. L'honneur est sauvé, on les dépasse même très largement. Je sais, enfin bon, après ça se trouve, il y en avait 300 et j'ai mal lu, enfin je m'en rappelle pas. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Est-ce qu'il reste des diamants? Est-ce qu'il reste des diamants? Il en reste un ici. Ah non, il en reste même plus ici. On va attendre les 200? Non. Ah, on frôle les 200. Game over. How many did you save? How many diamonds did you save? Enjoy the game, leave a comment and share your score. Eh bien, moi je vais vous dire autre chose. Enjoy the video. Enfin, vous avez apprécié, on va la faire en français quand même. Vous avez apprécié la vidéo, et ben n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Il y a un feu d'artifice fait avec des creepers. Ouais, merde. On a fini. Ah bah tiens, j'ai perdu que 27 diamants, les amis. C'est pas ça que je voulais faire, c'était F1. Non, bah non, on va laisser notre petit score. Et on va défier quelqu'un. Bah ouais, c'est drôle, moi je trouve, de défier les gens. Je vais défier deux personnes. Et je vais vous expliquer le choix de ces deux défis. Donc hein, les deux personnes ne sont pas du tout au courant. Je vous invite à leur faire parvenir cette vidéo pour qu'ils sachent hein. Mais ils ne sont pas au courant et ils ont le droit de refuser. C'est pour commencer Sifano. Parce que la dernière fois, il faut savoir qu'il m'a défié et que je n'ai pas fait son défi. C'était un défi où le but c'était de commencer ou de faire une vidéo, je ne sais plus exactement, en ayant bu une potion un peu dégueu de Minecraft et je trouvais ce défi nul. Alors que là, c'est un vrai défi avec une map, avec un truc un peu cool, un peu sympa. Et donc je me dis, allez, vas-y, on va le défier là-dessus, on va voir si lui, il suit ce défi qui est qualitativement cool. Et la deuxième personne que je défie, c'est le chauve préféré des Français, hein, notre réunionnais à tous, c'est Fantin. Pourquoi Fanta? Tout simplement parce que je pense qu'il fera un moins bon score que moi. Mais je l'aime énormément, vraiment, parce que je pense que j'ai envie de le voir là-dessus. C'est quand même le mec le plus couard du monde. Le faire flipper comme ça, le faire submerger de creepers dans tous les sens et tout, ça peut être mais juste génial. Et juste super drôle. Bon, évidemment, les gars, hein, je vous invite à ne pas faire la map 27 fois pour faire un score machin. On la one-shot, vous pouvez défier des gens, hein, vous faites comme vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à la commenter. N'hésitez pas à vous tester la map, en lien dans la description comme d'habitude. Et si vous voulez jouer d'ailleurs, faites très attention. Il faut utiliser la snapshot et pas la dernière. Avec la dernière, moi j'ai eu des soucis. Il faut utiliser celle qui est écrite hein, de façon sur le post Planet Minecraft. C'est la 14W08A. Et ça donne un résultat plutôt cool. Voilà, j'ai passé un vraiment bon moment sur cette map. Donc je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à... me donner vos scores. C'était Unster Bleacher. Oh yeah. Allez, bye bye.